Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Projet du Maroc. Aujourd'hui, nous sommes le 10 juin 2023 et nous avons une information économique des plus stimulantes pour vous. Alors, asseyez-vous, détendez-vous et plongez-vous dans ce passionnant monde des actualités économiques. Selon un article publié par Info Maroc le 8 juin 2023, le Maroc est en train de mettre les bouchées doubles pour devenir un acteur majeur dans le domaine de la production des phosphates. Avec une ambition indomptable et une vision claire, le Maroc vise une part de 40% du marché mondial des phosphates et de tous ses dérivés, comme l'annonce fièrement Abdelali Lefdalaoui, le secrétaire général du ministère de la Transition énergétique. Maintenant, parlons de quelques chiffres. Avec une production de 40 millions de tonnes en 2022, le Maroc se positionne au deuxième rang mondial, juste après la Chine, dans la production de phosphates. Le Royaume a produit près du sixième du total mondial annuel, estimé à 240 millions de tonnes. Mais le Maroc n'est pas juste un producteur. Le pays possède également le plus grand stock de phosphates, détenant près de 85% des réserves mondiales. Le potentiel de ce pays pour devenir une superpuissance des phosphates semble donc pratiquement inépuisable. Le Maroc est donc dans une course pour consolider et étendre sa position dans l'industrie mondiale des phosphates. Il est clair que les objectifs sont ambitieux, mais si quelqu'un peut le faire, c'est bien le Maroc. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié ce contenu et souhaitez rester à jour avec les dernières actualités économiques du Maroc et au-delà, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr, nous aimerions entendre vos pensées sur ce sujet, laissez-nous vos commentaires ci-dessous. Restez connectés, et à la prochaine.